Bonjour à tous, alors on est jeudi 28 septembre et je vous reprends pour un autre haul, pour un nouveau haul. Alors, il y a de la déco Noël, il va y avoir aussi, donc chez Action j'ai été, et aussi j'ai reçu un colis Temu, et ça va être de la déco d'automne. Donc voilà, ça va être divers et varié et voilà. Alors, donc j'ai pris, oui, il y a un peu de tout, il y a aussi de la cuisine, deux bocaux en verre comme ça à 1,79 €. C'est parce que j'ai un déshydrateur et que du coup je fais des fruits séchés et j'avais besoin d'un bocal avec une assez grande contenance. Donc là, ça fait 1 litre pour mettre les fruits secs. Ensuite, alors attendez, parce que c'est tout mélangé. J'ai repris la même chose qu'hier, mais ça c'est pour maman. Des personnages, des choses comme ça, des sapins et tout, mais ça vous l'avez déjà vu dans mon dernier haul, donc je vais pas vous le remontrer. On va trier, hop. Alors dans le truc de cuisine, j'ai acheté ça, du sel rose, je crois que c'est, ouais, 79 centimes, voilà. Ça c'est pour nous avoir du sel. Ensuite j'ai acheté des masques à l'argile comme ça. Alors il y en a deux. Lucie et Lilou sont en pleine adolescence. Et il faut dire que ça se voit sur leur visage. Elles ont plein de points noirs et de boutons. Sauf que je ne veux pas leur mettre de produits. Enfin, plein de produits et tout. Du coup, elles font des masques à l'argile régulièrement. Donc, je leur ai repris un masque à l'argile chacune. Les masques à l'argile, ils sont à 2,29 €. Voilà. Ensuite, j'ai repris des allume-gaz comme ceci à 89 centimes. Ça, c'est pour le scrap. C'est pour brûler les rubans. Donc, voilà, c'est pour aller dans mon bureau. J'en ai pris deux tant que j'y étais. Parce que c'est le genre de truc que je cherche toujours au fond du bureau et que je ne trouve jamais. Ensuite, dans les choses qui sont pour moi, j'ai repris de la pâte auto-durcissante comme ceci. Alors, elle est à tintin, Home Déco, pâte à modeler, nanani, nanana, 1,65 € le paquet. Donc j'en ai pris deux paquets comme ceci et ça c'est pour faire des décos. Voilà. Certainement des décos automne avec les filles parce que en fait dans un ballon de baudruche on y met de la pâte, on fait une boule quoi et on met de la ficelle pour faire les tranches des courges et du coup ça fait des potirons, voilà. Et sinon j'ai vu, enfin j'avais des idées aussi de déco de Noël avec pour faire comme des petits villages, voilà. Mais je vous montrerai, on fera ensemble, ou voilà, on verra si j'ai le temps de vous faire un tuto ou pas. Donc, bah, c'est tout oui, c'est ça, c'est tout. Oui, c'est tout pour moi. Et le reste, ben, c'était pour maman, parce que comme elle a vu que j'avais trouvé des choses hier et qu'elle aussi, elle veut faire des décos de Noël, elle m'a dit d'aller lui chercher des personnages, des choses comme ça. Donc, j'y suis retournée. Voilà. Ben, voilà. Sinon, ben, un petit blabla, je suis en arrêt maladie pour le moment, je sais pas, j'ai fait des examens, on attend de savoir ce qui cloche, donc je suis toujours malade. Je pense que vous l'entendez un peu à ma voix, je sais pas pourquoi j'ai la voix qui ne va pas du tout. J'ai une tension plutôt élevée et je suis énormément fatiguée. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, je suis à la maison, du coup là, j'ai fait tourner une machine à laver avant d'emmener la petite à l'école. Et je vais aller l'étendre. Et après, je vous ferai le haul Temu d'automne que je mettrai avec celui-là. Donc voilà. Et si je peux, dans la journée, ben, j'essaierai de vous faire des tutos. Sachant que là, sur mon bureau, ce qui est sorti, c'est la déco de Noël. Parce que je suis en train de faire des décos de Noël pour faire un marché de Noël. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure.